Attention, cette vidéo est un examen blanc réalisé par un enseignant de la conduite. Ce n'est en aucun cas un véritable examen. De ce fait, le parcours, les remarques ainsi que la notation finale ne relèvent que du simple jugement de cet enseignant. Bon, prêt pour un petit examen blanc? Oui, t'as raison, attache-toi. Donc bonjour monsieur, je vous laisse vous installer. C'est fait pour moi. Déjà fait. Déjà fait. Donc, vous respectez bien les règles du code de la route, les autres usagers qui font mission pour déjeuner. Vous assurez bien la sécurité, c'est le plus important. Oui. S'il y a des accessoires à utiliser durant la conduite, bien sûr, ils sont à votre disposition. Oui. Ah, d'accord. Donc, je vous laisse donc mettre le moteur en route et on part dès que c'est possible. Tout est attaché. Si vous faites un écart, bien contrôlé avant de faire l'écart. Nous prenons à droite. Thank you.
à gauche, en sens unique, à gauche. Monsieur, n'hésitez pas à adapter votre allure, le feu est vert. Et aussitôt après, ce sera à droite. Hein, la prochaine intersection après, à droite. D'accord. Remettre votre clignotant s'il s'enlève. Monsieur vous a fait signe de pouvoir y aller. Voilà, prenez votre temps. Vous précipitez pas. Ensuite, à gauche.
Vous voyez ? Pourquoi passer une première là pour tourner ? Parce que j'avais peur d'être un peu trop tard. Il faut bien étudier la situation. Même en deuxième, vous pouvez arriver tout doucement là. Passer une première, c'est un peu compliqué là. Parce que ça arrive vite derrière.
vitesse, d'accord, pour pouvoir avoir une bonne allure, pas trop lente, ni inversement trop allumée. Parce que là, oui, ça fait trois fois que ça se passe mal dans les intersections parce que on n'est pas en bon rapport de vitesse. Deuxième sortie, ce sera direction Bernay. Deuxième sortie, d'accord. Direction Bernay. Essayez d'anticiper, monsieur. Vous voyez le véhicule? Vous voyez le véhicule, vous savez très bien que vous avez passé derrière lui. Pourquoi vous arrivez vite comme ça? Essayez plutôt de ralentir pour qu'il passe et vous faufilez juste après. Toujours direction Bernay. Son embrayage, c'est signe qu'il faut repartir en première. Très bien. On va entrer sur le parking à gauche. Attention au trottoir, monsieur, le trottoir, attention. Se ranger en marche avant, donc avancer entre le véhicule sur la gauche, entre le véhicule gris, le véhicule blanc, en marche avant. D'accord.
Essayez plutôt ouais, entre le blanc et le gris foncé parce que elle est assez mal garée. On marche avant. Centre-ville, je ne vais pas appuyer sur l'embrayage, remontez-le, là il n'y a pas besoin d'appuyer sur l'embrayage.
dans les intersections plutôt qu'utiliser une ligne droite en pour sans intersection. Allez, on continue. Allez-y, monsieur, c'est vert. Allez. C'est plus vert, monsieur. Il faut observer, hein, le feu peut changer tout d'un coup de couleur. D'accord ? Défaillance du système de freinage. Rouge. Rouge, très bien. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? C'est pas un véhicule déjà il aura un peu de mal à avancer. Donc on peut être dangereux pour les autres. Enfin, si on a besoin de repartir rapidement ou faire une manœuvre plus rapide pour laisser passer par exemple. Les pompiers, je vous en aurai du mal parce que le frein moteur sera mal desserré.
pourrais pas être libre, entre guillemets. Je sais pas si je m'exprime bien. Mais... Oui, non, mais je comprends. C'est tout. Ça peut aussi abîmer le moteur, je crois. Non, pas le moteur. Alors, question sur les... Question sur les premiers secours. Donc, hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de pré-signalisation? 3 mètres. 3 mètres. Non, 3 mètres, c'est pas beaucoup. Non, 30 mètres, je sais pas. 30 mètres? Oui. Mmh. D'accord. Je vous remercie, c'est terminé. Merci. Bon, comment ça s'est passé? 3 mètres. Réfléchis. C'est pas grave. C'est pas grave. Je dirais peut-être mieux qu'hier. Mais quelques trucs. Donc, dans quel état d'esprit t'étais? Stressé? Ça allait? Non, ça allait. Ça allait? Je crois que la chose qui m'a le plus surpris, c'est le feu, là, juste avant. D'accord. Parce que que du coup, bah voilà. Donc justement, tu t'es pas dit, il peut changer de couleur à tout moment. Oui, c'est à cause de ça. Ah, d'accord. Donc tu penses que tu l'aurais pas eu? Non. Non. Donc malheureusement, ça aurait été insuffisant. Donc je t'ai mis deux points sur l'installation. Tu as bien parlé de la ceinture, tout le monde est attaché. Donc les questions... alors si le frein à main est mal desserré, tu vas avoir un problème si tu vas user trop tes freins. Oui. D'accord, là, ça aussi une usure au niveau des freins. Bon, après c'est pas plus grave que ça. Alors note éliminatoire sur connaître et utiliser les commandes. Est-ce que tu vois pourquoi? Donc c'est au niveau de ta boîte de vitesse qui n'est pas adaptée. Oui. Au niveau des intersections. D'accord. Oui. Donc attention, on est sur la grande route. Là, tu tournes sur la gauche. Ok, il faut arriver assez doucement. Mais je pensais qu'en deuxième, ça le faisait. Ouais. Bon, voilà. S'il y en a un autre, mais bon, toi, c'est quand même... Même en deuxième, on peut y aller assez doucement. Voilà. Donc là, tu vois, en plus, il y a un camion qui arrive derrière. Il nous fait des appels de phare, je sais pas si tu le voyais. Non. Après, il nous a klaxonné. D'accord, il faut... Sur les grandes routes comme ça, généralement, justement, c'est fait pour... On puisse tourner en deuxième, qu'on ralentisse pas trop la circulation qui est derrière. D'accord. À moins que ce soit bouchonné, vraiment très étroit, cas exceptionnel, mais sinon, jamais sur ces routes-là, il faut passer une première pour tourner. Ok. D'accord. Voilà. Après, il faut pas non plus jamais la passer. Oui. Parce que justement, après, donc, on prend la petite route de campagne, après, tu tournes sur la gauche. Si j'étais en troisième, c'est parce que j'ai cru que j'étais en deuxième. Puis je me suis rendu compte que moi j'ai tourné. D'accord, donc il y a une fois aussi tu as tourné en troisième. Hein. Mais juste avant, donc il y avait une autre intersection avant où tu as tourné en deuxième. Tu avais le pied sur l'embrayage. J'ai et calé. Pour partir, voilà. L'endroit où tu as calé. Hein, tu es reparti en deuxième. Là par contre, tu aurais dû repasser une première. Hein. Donc voilà. Donc c'est l'ensemble de tout ça. C'est pas forcément. Oui, c'est pas une erreur. À cause de la... Voilà, mais c'est répété. On retrouve à chaque fois la même, le même danger. Quoi. D'accord. Donc attention de bien te souvenir en quelle vitesse tu es. Est-ce que tout à l'heure tu disais que tu as tourné en troisième parce que tu te croyais en deuxième, c'est ça? Quand j'ai tourné en troisième, moi j'ai cru que j'étais en deuxième, j'ai pas fait. Donc mémorise bien en quelle vitesse tu es. Prendre l'information, donc c'est pas mal, mais il y a ce foutu rétro gauche quand tu fais un écart que tu regardes pas. Tu penses pas? Des fois oui, des fois non, des fois. Est-ce que tu comprends bien que. Les plots rouges et blancs. Est-ce que tu comprends bien que quand tu fais un écart. Oui, il peut y avoir n'importe quoi qui te passe. Ça tombe à conscience. Ouais. Alors, on peut y penser, faut dire si je fais des écarts, s'il y a quelqu'un qui me dépasse. Paf. Si t'es dans ta ligne, ça te dépasse de tous les côtés, je t'en fiche parce que t'es dans ta ligne. Si toi tu fais des zigzags, ça peut faire boum de chaque côté. D'accord. Donc, essaye d'y penser. C'est pareil, ça revient, on te le dit une fois, deux fois, ça fait beaucoup. Donc l'allure, je t'ai mis un point. Alors c'est pas sur l'ensemble, mais sur certaines. Alors c'est pas au niveau des intersections. Je l'ai noté là sur connaître et utiliser les commandes.
Mais la lueur des fonds en général, toi, je suis beaucoup en train de te dire, notamment le feu vert. Hein. J'avais peur que ça glisse un peu, donc aujourd'hui j'ai roulé moins vite. D'accord. Par exemple, sur la route à 80, j'ai toujours été à 70 et pas à 80. Et qu'une fois où j'étais une fois, mais sinon j'ai plus ou moins 70. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pas parce qu'il pleut que ça. Mais vu que j'ai pas l'habitude, je sais pas comment réagir. À partir de quand ça glisse. Quand il pleut, ça glisse pas. On a les pneus qui sont adaptés à partir du moment où on roule normalement. Oui. Hein, mais il n'y a pas de changement de. D'accord. Oui, je sais que j'ai conduit bien plus lent que d'habitude. Ouais, d'accord. Mais tu vois, est-ce qu'à un moment de la voiture elle a glissé ? Non. D'accord. Alors, on a les pneus qui sont ce qu'on appelle les pneus pluie. Par le fait qui sont pas l'habitude. Ouais, je sais pas que ça glisse. Non, mais je comprends. Mais tu vois, il n'y a aucun danger. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand il y a de la neige et du verglas. Oui. C'est là, c'est vraiment très glissant. Ça, je sais pas. D'accord. Mais voilà, quand il pleut, voilà, c'est plus gênant, on va dire, au niveau visibilité, mais au niveau adhérence, il n'y a pas de souci. D'accord ? À partir du moment qu'on roule normalement. Ok. Ok, bon. Tu sors demain s'il pleut, on roule normalement. Donc, malheureusement, appliquer la réglementation, donc le feu tricolore, là. Ah. Donc, il faut se dire voilà, qu'un feu, à tout moment, il peut changer de couleur. Mmh. Donc, quand je repasse le feu, je revérifie justement s'il ne change pas de couleur. C'est vrai qu'il est vert, t'avances pas. Bah, moi, je suis le monsieur en avance, le feu il est vert. Quoi. Mmh. Et malheureusement, après moi, je peux pas le prévoir. Hein, oui, je sais. Voilà. Mais voilà. Donc, justement, toi, tu t'es dit ah bah, il me dit d'y aller, donc j'y vais. Mmh. Oui, je t'ai dit d'y aller, mais. Revérifier suivant la situation, je te l'ai dit au moment de la situation présente. Enfin, je t'ai pas dit dans le futur, il faut toujours y aller parce que la situation peut changer. Donc, mec, les clignotants, donc ça a été juste pour quand il se retire, n'hésite pas à le remettre. Ouais. Enfin, d'accord, mais bon. Partage de la chaussée, donc c'était pas mal, je t'ai mis 2 points aussi. Juste attention des fois ta position, à bien te placer au bon endroit. Ouais, d'accord, mais bon. Ça reste très correct. Alors, note éliminatoire sur maintenir les espaces de sécurité. Est-ce que tu vois pourquoi Quand je me suis garé. Ouais. On arrivait beaucoup trop proche du véhicule blanc. Bah ouais, en marche avant, je sais pas, j'ai un peu de mal à savoir comment c'est. Ouais, bah voilà. Donc essaye de réfléchir. Quand je dis, si tu essayes d'un côté et tu vois que ça marche pas, c'est de l'autre. Ah voilà. C'est de la logique. D'accord. Mmh. Ouais. Ou alors c'est parce que t'as pas tourné assez tes roues, des fois ça peut être ça, on peut tourner un petit peu, ça fait peut-être tourner plus, ou de l'autre côté, voilà, quand je dis, il faut essayer de comprendre, ouais. Et se dire, j'essaie comme ça, j'y arrive pas, faut que je fasse autrement, d'accord. Oui. Ou tu avances, tu recules, je sais pas, mais il faut, on arrivait vraiment trop proche du véhicule, d'accord, donc ça, non. Oui. Après tu te débrouilles, hein. Du coup je dis, tu avances, tu recules, tu fais ce que tu veux, mais on n'arrive pas. Proche du véhicule. Lui, il est garé. Oui, il n'a rien demandé. D'accord. Conduite autonome, 1 point partout, donc ça a été. Hein. Courtoisie, donc c'est bien. Le piéton, au moment, tu l'as bien laissé passer. Conduite économique, forcément, je ne te l'ai pas mis à cause de l'utilisation de la boîte de vitesse. Hein. Donc, c'est dommage parce que l'ensemble de ta conduite, il est vraiment pas mal. Mm. D'accord. Malheureusement, voilà, ça a clashé à des endroits et ça fait des erreurs éliminatoires. Oui. Hein. Donc voilà. Je pense que déjà ces deux-là c'est vraiment pas méchant. Si bah, c'est des trucs que tu peux largement éviter. Après le feu orange, bah, je préfère que tu le fasses l'erreur tout de suite que le vrai jour du permis. Hein. Je pense que c'est pas des trucs trop graves. Non, ça peut se largement. Voilà, enfin, c'est pas. Dans le sens, pas, c'est pas grave, c'est pas dangereux, mais dans le sens, ça se corrige facilement. Voilà. Ouais. J'ai fait attention, surtout l'objectif, c'était les priorités, faire attention. Mm-hmm. Enfin, j'ai réussi à avoir bien avant et tout. Mais je pense que ça a été priorité. Les points à droite, tout ça, ouais, ça a été ça. Il n'y a pas eu de soucis. Ouais, c'était surtout ça. Ouais. D'accord. Bon, le feu orange, bon, maintenant tu vas dire le feu est vert, est-ce qu'il est toujours vert, hein, je pense maintenant. Oui, ça m'a fait un peu. Donc, le rangement en bataille, enfin, quand on manœuvre jamais proche d'une voiture, jamais. Enfin, on fait ce qu'il faut, mais voilà. Et puis voilà, la boîte de vitesse, c'est de
ça a quand même plusieurs endroits, ça n'a pas été top top. Oui. D'accord. Donc l'allure, ça n'a pas été trop top dans l'ensemble, mais quand je dis voilà, même s'il pleut, on roule normalement. Et le rétro gauche, tu contrôles bien, juste ce rétro gauche pour faire un écart. Que... C'est à droite, ouais. C'est pas... D'accord, sinon le reste, c'est quasiment du parfait. Quoi. Ok, des questions? Non. Non, ça va? Non. Et ben on va se rentrer tranquille.